Attends, si c'est moi qui bug là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Y'a rien fait pourtant. Ouais, ça serait peut-être vraiment ou c'est moi quand je mais ça me l'a jamais fait avant. Le son il bug. Pourquoi le son il bug comme ça? C'est moi qui bug juste ou c'est... Est-ce qu'il n'y a que moi qui fais ce bug ou c'est tout le monde? Normalement, si j'entends, c'est pour tout le monde. Hein. Yo, Jiku. Dis-moi. T'as pas le son qui passe en boucle quand je dis plus rien, quand je fais plus rien? Sur le stream? Non, c'est pas le bruit, c'est que le son il se répète. Tout est normal? J'ai rien là. Heureusement, parce que moi je regardais, je demande. Ça bug. Si jamais tu veux savoir quel bug c'est, je peux te le montrer. Il fait surtout écouter. T'as vu ça? Je suis magicien sur mon propre stream. T'as vu ça? Je me suis dit, ah, ça bug. Mais c'est bizarre ça. Ça serait peut-être en boucle chez moi sur la rediff. C'est chiant parce que si je ne peux pas savoir si le jeu marche ou pas, ça va être compliqué de faire mes réglages.
Je sais pas que ça peut venir le son qui repart en boucle à chaque fois que je fais plus rien. Non, c'est bon, hein. Le son du jeu et tout, là, Mario, il fonctionne bien comme j'entends, hein. Bon, heureusement, j'espère bien. Il n'y a que moi qui l'entends. C'est bizarre, hein. Bon, après c'est quelques minutes de bug qu'il n'y a jamais eu, c'est la première fois. Je vais pouvoir tourner sur Mario. Paper Mario. Il y a un truc qui tremblait la dernière fois, il y a... Je viens juste de le voir, il y a ça qu'on peut utiliser pour aller là. Pour aller là. Bon, moi si tout marche, on peut jouer tranquillement. Là. Et lui il est coincé. Merci d'être venu au final, Chico. Mario, c'est trop folle. Nous sommes en alerte maximale. J'ai pas les détails, je suis resté coincé là tout le temps, mais c'est vraiment folle. Il faut me croire. Faut récupérer les confettis, vite. Ouais, c'est bon, après on va continuer. Allez, on va voir ce qui se passe. Wouah, c'est rien ça. Oula, les liquides noirs, les bosseux. Aïe, cette fois c'est sûr, la situation est grave. Cours, Super RM, cours. La coulée noire, elle apparaît à nouveau. C'est effrayant, terrifiant. Ça, c'est que un truc noir. Tu me peux où faut y aller. On a remis le courant, il faut en sortir. Quand je vois un beau gouvernail comme celui-là, j'en regretterais presque de ne pas avoir de bras. Enfin, j'espère juste que ça va pas fourrer la rediff. Hein. Juste pour 200 en fait. Si c'est pour moi, ça va. Mais faut que j'aille où là? Je suis coincé. Ici là? Ah. Pour passer là en fait. Ça va. Je dis mais il est pas où aller. C'est bon, ça fonctionne. Vite, montons dans l'ascenseur. Ah, il bouge. Il a complètement disjoncté lui aussi. On dirait qu'il a eu une sacrée fosse. Non, il est toujours pas debout. Il a complètement disjoncté. Ah, ça va, c'est rien du tout ça. C'est pas de l'encre ça. Oh non, il est déjà tout proche. C'est la porte de la cabine VIP, à l'intérieur, vite. À droite surtout. Qu'est-ce que c'est? Le Princess Peach. Les bots. Attends, explore. T'es coincé. Appuie ton saut.
Il est coincé dedans. Libère-le. Au secours, à l'aide. Ce liquide noir a jailli du hublot. Je l'ai pris en pleine face. Nif, ça ne partira jamais au lavage. Je hais la mer. Hé hey. Allez, un petit coup pour s'échouer. Redisposer les ennemis. Attends, deux mouvements. Comment je fais? Non, je suis pas chaud là. Comme ça. Non. Aucune idée. Comme ça. Je sais pas. Aucune idée en même temps. Tant pis. Ça suffit pour le tuer les bots. Ah non. Pas du tout. On devrait se fuse plus aussi maintenant. Ils ont plus de 20 points de vie en tout cas. Ton attaque. C'est tout? Hey. Eh tiens. Ah oui, mais j'ai pas assez d'attaque. Mais non, c'est pas que ça ne suffit pas. C'est parce que je n'ai pas assez, c'est tout. C'est tout ça. Bah, la porte est bloquée, hein. Ouais. J'ai dû équiper mes bottes, en fait, brillantes. Ouais, c'est pas très grave. C'est ça, Super M. Dans ce coffre fort jaune. Attends. Laisse-moi m'équiper des bottes brillantes. Ah oui, il y a même la vie, hein. On a besoin, mais il est là. 100 points de vie. Il y a un code, hein. Je l'avais laissé en sécurité. Voyons voir le code, Ah, réfugié, Bob-bombe. Je l'appelle comme ça, non. Je vais voilà, toujours l'appeler Bob, par contre. Non, c'est rien, ça. Ah, ah, c'est quelque chose. Non, mais vole pas le coffre là. Rends-moi ça, tu veux? Oh, il est en colère. Il faut absolument qu'on récupère ce coffre. Je te parie que ce manque c'est l'avant du navire. Mettons-nous à sa poursuite. Eh, il décide. Oh, il est pas content du tout. T'as même un boss en mode. Tu tapes le normal, hein. C'est trop marrant. On a vu les trucs, donc du coup, on a vu les sauts. Hein. Attends, oui, c'est en bas. Faut descendre. Dis-moi, Super M, t'aurais pas oublié de sauvegarder par ça? Oh, incroyable ce jeu! Bien joué, Bob! Incroyable, peut-être, mais il est trop utile! T'aurais pas oublié de sauvegarder? Ah! Nice! Il dit quand tu sauvegardes pas. Bonjour! Je pensais qu'on aurait affronté un boss, mais. Le voilà, c'est l'horrible boss Bloop qui m'a envoyé valser le monstre. Fais-lui sa fête, Super M. Mademoiselle Olivia compte sur nous. On va partir. Ah! Il fait une onde de choc. Bon, c'est facile à une constitution. Eh, il donne de l'argent.
Ah, ça se dure longtemps, ça. Non, mais laisse-moi récupérer l'argent, par contre. Ah. Bon, c'est vrai, si tu te mets là, tu fais ça. Ah, non, j'ai. Hop, je refais ça, parce que tu vas faire quoi? Mais... Non. Il fait quoi maintenant? Oh, bah il entre en fait. Mon argent. J'arrive. Tiens. Attends, attends, j'arrive pas à te toucher. Ah d'accord, vous me touchez à ce moment-là. Bah y'a juste à l'esquiver. Oui. Youhou. Tiens. Allez, c'est presque fini. Il a un peu mieux dispersé. Bon, il va quand même mourir, hein, non. Allez, au revoir. Non, encore lui. On va avoir un petit coup encore. Il est aussi là. Il tourne, il balance la vague. Au revoir. Ouh, l'équipage, incroyable, ils les avaient mangés. Ah, le coffre. Ding ding. Super M. Tu as des patins. Vous savez que tu allais en faire des confettis. Et le coffre a l'air d'avoir tenu le coup. Heureusement, bien. Je tape le code secret. Et voilà la boîte dans la boîte. Il permet de sauver de Mademoiselle Olivia. Mais c'est quoi cette boîte? Merci à toi, moustachu, mon saillant. Je suis le capitaine du Princess Peach. Tutu. Quelle sombreur, nous avons passé prisonniers en des entrailles poisseuses de ce monstre. Pourtant, pas une fois neige et éclaté en sanglots pathétiques. Ah, sûrement pas, tu penses? Quant aux passagers, ils ont été évacués par canot sauvetage pour préserver la satisfaction de clients. Ouf, alors tout le monde est sain et sauf, tant mieux. Dans ce cas, retournons vite au vol au vent pour tirer Mademoiselle Olivia de sa situation critique. Allez, c'est plutôt, on y retourne pour le coup. Moi, je suis déjà fou là, c'est bon. On a tout fait, hein. C'est bon, on peut partir. Mario! Tutu! On aurait récupéré les passagers qui ont quitté le navire en canot. Il est impossible de lancer les recherches à cause du brouillard. Si tu constates que la voile est libre, veux-tu bien revenir m'informer? Ça serait sympatoche. Tutu! Ok. Tu veux prendre la mer? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a le brouillard là. Et si je vais dedans? Waouh, stop! Il ne doit pas le... Quel poète pas, on n'y voit pas le bout de son nez. C'est la folie pure que de s'enterrer dans un canot pareil. Faites demi-tour, avant que nous perdons pour de bon. Ah, on fait de coquilles noires. Si on avait une carte marine, on pourrait naviguer dans cette bouillie. D'ailleurs, puisqu'on parle de cartes, vous connaissez la légende du capitaine Toad?
Il s'agirait d'un marine légendaire qui aurait détenu une carte marine mythique pour naviguer. Bien sûr, ce n'est que du folklore, le genre d'histoire qu'on raconte pour s'en rendre intéressant. Ça dit, une carte marine de ce genre ne serait pas de trop pour se diriger dans cette poêle de bois. Elle devait tout voir. Bon, il faut une carte au final. La solution, c'est une carte. On peut pas changer la caméra? On peut pas. Vas-y, on fait comme ça. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment une zone où il faut juste une carte en fait. Il n'y a pas un truc à voir. Quoi ça? Un poisson là? Il est mis en quoi? Ah! C'est un ennemi! J'ai l'impression que la musique n'est pas pareille sur l'eau. Trois déplacements. Ouh là là, ils sont disposés. Non, en fait, c'est facile. Une fois que t'as achevé un mou, c'est bon. Excellent, là. Incroyable. Je demande si, en fait, mon micro il est penché en avant et j'ai entendu le truc. Je me demande si je mets trop en fait mon micro, on n'entendait que ma voix. Ouais, bah c'est cher, pas le micro, ça marchera pas non plus. Je déteste comme ça. Vu que je penche en avant, peut-être à côté de ça on entend tout aussi. Hein. En plus qu'ils sont sensibles. Mais ils se desservent aussi tout seul, et j'ai la flemme de leur serrer. Voilà. Je vais laisser comme ça pour une fois. Alors, on y retourne. Et on commence sur la mer. Mais y a rien à la mer où je peux partir. J'explore un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, des poissons! J'ai cru que j'allais voir un combat par vague. Tout le monde m'a sauté dessus. Oh, bisous vos ennemis. Les pieuvres. Deux déplacements. Hein. Non, c'est quand même mieux comme ça. C'est parti. Aïe, non, je loupe tout. Moi, j'entends bien, bien là. Non, j'ai juste changé la position du micro, quoi. Je le mettais un peu moins. Ah, ils sont un peu trop forts. Pour le marteau. Et encore. Boum. À moi. Allez, fils de ce genre. Un dernier coup de marteau. Ah oui, ce sera le deuxième, après. J'ai mal attaqué. Allez, rentre dedans. Allez, c'est bon, on n'a pas besoin de réattaquer. Bon, je pense que j'ai retourné en ville, hein. S'il n'y a que des combats, c'est pas intéressant. Il nous faut une carte. Il faut la carte. Le tuyau de téléportation. Attends, on va sortir quelques casse-têtes. Quitte à être là. Faut faire travailler le cerveau un peu. Comme on dit. Oui, tu t'en rappelles, Mario. J'ai du nouveau pour toi. Résolveur d'énigmes. Je l'appelle le résolveur d'énigmes. Ça t'est déjà arrivé de sécher face à une situation compliquée en combat? Ça arrive à tout le monde. Ce bidule t'arrive bien le meilleur endroit où placer les ennemis avec un bon vieux rond. Pratique, non?
Il a même pas besoin de pièces pour fonctionner, ça marche tout seul. Je sais pas faire, je te lis. Faut t'en servir ? Oui, c'est un accessoire. Ah non, c'est un roux. En vrai, ça va me trigger de pas réussir de les mettre sur le rond, je vais pas le mettre. Ça te mettra juste un cercle, hein, mais pas comment les déplacer. Ça doit être juste ça, en fait. Ça te dira, si tu dois faire 3 déplacements, ça veut dire, ouais, bah, tu les mets en ligne, tu les mets en rectangle, bah super, je suis sur un mode. Faire le niveau 2. On va redisbousser les toads. Mise en ordre. Toad rapide. J'ai que ça, déplacement. Déjà, je suis pas très rapide. Un peu plus vite. Casser les murs de... Redisposer les toads. J'ai plus de déplacement. J'ai pas déjà séché. C'est autre... Non, c'est autrement en fait. C'est autrement. Attends, un peu de... Si j'ai que de déplacement quand je fais, je trouve. Comment on fait? Non, si je les rapproche, c'est pas bon non plus quoi. J'ai que deux déplacements. À moins que il faut. Non, mais j'ai deux déplacements. C'est ça le problème. À moi. Hein. Mais en deux déplacements? Mais non. Si je fais ça, c'est pas bon quoi. Ah oui, mais non, bah d'accord, c'est. Ah bah non, mais juste trop facilement. Mais non, en fait, non, je suis. Il fallait juste passer les verres. Ah bon, ok, c'est dire de game over. Je me suis trompé. Tant mieux, on remet le temps à 0. Je suis bloqué tout seul. Attends, on refait. Je me suis juste bloqué tout seul. J'ai dû avancer. Fallait avancer les vires. Je suis bien parti au début. Et je refais la même erreur. Voilà. Casser le mur 2. Redisposer les toads. Bon, maintenant je sais comment faire. Comme ça. En fait, ils vont là en fait. Voilà. Allez, numéro 3. Redisposer les toads. Bon, il y a deux déplacements et je l'ai direct vu. Là, c'est facile. L'autre aussi était facile, mais. C'est bon. Voilà. Comme ça. Ouais, ça aide les toads de couleur. Faut se dire qu'il faut mettre dans les toads avec les bonnes couleurs, mais là. Ah oui, ça m'a déjà dérangé une fois. Comment on fait? Comment on fait? Ah oui, d'accord. En fait, c'est simple.
Déjà juste pour l'un, mais en fait c'est ça. Faut déposer les 3 dés sous l'un, tu peux faire ça en fait. Les deux, tu les décales en haut et tu fais une colonne. Alors ça, ça aussi, ça va me prendre. Ah non, c'est bon. C'est pas façon dit, ça peut être beaucoup de marteau aussi. Il bloque un peu quand même, un peu. C'est énorme. Hein. Il y a un problème là. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Numéro 8. Redisposer ton 3 de déplacement et tu peux faire ça. Et hop, je sais si je le fais direct. Voilà. Redisposer le Toad. Alors ça. Ça va être complexe. Comment on fait? J'ai deux déplacements seulement et il faut que je trouve un moyen de disposer bien les toads. Ah oui, non, mais non. Ça, ça, ça va tout exploser. Alors, Julie, il est pas évident, faut trouver la solution. Ah, oui, d'accord, il est comme ça et comme ça. J'ai eu du temps à comprendre, tu pouvais faire ça. Trois déplacements. C'est pas ça. Le problème c'est qu'il est coincé là en fait. Même si je mets de l'autre côté, ça suffira pas. J'ai pas assez de déplacement pour faire coulisser les autres. Oui, parce que l'autre passe de l'autre côté, quoi. Quand je fais. On va peut-être faire autrement. Ah
non, je peux pas. Ah, peut-être c'est un truc comme ça en fait. Tu le fais. Non, ok. Faut les intercaler. En plus, c'est simple. Faut juste tourner, coulisser et retourner en fait. C'est tout con en fait. Il y a un petit contrôle à la montre, hein, j'en ai fait que 4. Après on avance. J'en fais juste un. Donc faut juste dépêcher hein. Trop cool maintenant. Non, c'est pas ça. Je suis tombé. Voilà. Deux déplacements. Voilà. Franchement, je suis bonne, mais c'est impossible. Alors qu'il y a d'autres solutions. Comme ça, on vient de le faire. Voilà, on est devenu bu. Là, quand tu fais un contrôle à la montre, tu vois qu'il y a une progression. Que tu n'as plus fort sur le casse-tête. Trois déplacements. Celui-là. Il faut que je fasse coulisser des... Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 108. Donc il me faut des... Il me faut essayer quoi en fait. Voilà. Il faut tenter. Si on vient de le faire. Et on sait comment faire. Moi j'aime bien ça, c'est trop marrant. La prochaine fois qu'on revient ici, c'est faut faire un boss. Que des cascades. Attendez, j'ai deux déplacements. D'accord, voilà, comme ça, c'est bon. Attends, si on doute, on peut faire le deuxième et hop, voilà. Redéposer les tonnes. J'ai encore peu de temps, 17 secondes. Casse-tête numéro 10. Allez, explosez-moi encore. Hein. Non, j'avais aucune idée. Voilà, je reçois 9. On a fait plus 5 depuis. Bon, allez, on va continuer dans l'histoire. Attends, je peux sauter. J'ai une arrière pensée si je reviens à battre tous les boss de la machine. Ah, c'est tout. Ah, il faut que je fasse tous les boss une fois donc. On pourrait se faire un rush de tous les boss d'un coup pour avoir la récompense. Mais je pense que c'est aussi c'est tout, vraiment tous les boss quoi. Putain, moi les esprits que les gardiens du ruban. Le musée est de l'autre côté. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu. Je crois qu'il s'appelle Olivia. On va aller la chercher avec la boîte. La boîte dans une boîte, yes. Mais c'est une boîte qu'on a récupérée. Hein.
On a la boîte. Maintenant, c'est Bob qui l'a en plus dans son inventaire. J'ai même pas la boîte. Il la garde sur lui. Bonjour. En fait, c'est pas là où je vais aller. Au revoir, surtout. Je veux juste prendre le bateau. Le premier. C'est un mini trésor qui va me donner, sûr. J'ai essayé de faire encore la rivière. Nous voilà à Valvent. Fin de la ligne, faites gaffe à ne pas oublier vos affaires en sortant de la barque. On va libérer Olivia, c'est parti. Elle est toujours écrasée en dessous, ça va? Super M. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir accompagné jusqu'ici. D'avoir aussi longtemps gardé pour moi ce qui s'est passé sur le bateau et ce que contient ma boîte. Il est temps que je te raconte. À l'époque, je voyageais à bord du Princess Peach avec mes potes. On s'était tous cotisés pour se payer une cabine VIP et je ne vais pas te mentir, c'était franchement l'éclate. Mais alors que tout se passait comme dans un rêve, un bloop monstrueux a attaqué le navire. On a tout fait pour le repousser, mais on ne faisait pas le poids. C'est au cours de ce combat que je suis passé par-dessus bord et que j'ai perdu ma mèche. Lorsque j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé à toute ville, sans mèche, sans souvenir, sans rien. Et c'est là que j'ai pris une route pour tenter de me souvenir et de retrouver tout ce que j'avais perdu. C'est quoi la boîte alors? Peu après ma route a croisé la vôtre, et lorsque nous avons vu le feu d'artifice à Shangulan, c'est là que tout m'est revenu, d'un coup. Le bloop, mes copains, ma mèche, boum, tout était là. Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé la mémoire, de pouvoir renouer avec qui je suis. Et puis, dans mes souvenirs, j'ai trouvé un moyen de sauver Olivia. Comme je te l'ai dit, j'ai connu et perdu beaucoup de potes dans ma vie. Mais le meilleur d'entre tous, je l'ai perdu il y a longtemps, dans un tragique accident. Il s'appelait Bob Bomb. Lui aussi, ah ah. Si Olivia entendait ça, ça la rendrait folle. Bref, j'ai toujours gardé sa mèche sur moi, pour honorer sa mémoire, jusqu'à ce que je perde la mienne. Et elle était restée là, où je l'avais laissée dans la cabine VIP du Princess Peach. Ah donc c'est sa mèche, une nouvelle mèche. Super M. Si j'arrive à sauver notre ami, alors j'aurais réussi ma vie de boum... De boum, voilà. C'est censé dire bon, mais... Je sais pas comment on dit comme ça. Ne t'en fais pas, c'est dans notre nature de chercher le coup d'éclat. Il n'y a rien à y faire. Super M, je... Ça a été l'éclat de voyager avec vous. Vraiment désolé de bafouiller comme ça, c'est l'émotion. Merci pour la mèche, mon pote. Et merci à toi, Mario. Merci pour tout. Fait exploser. Non, il n'y a plus de Bob. Faut taper sur Olivia. Achève-la. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as sauvé, Mario? Merci, merci, merci.
J'ignore que c'était si désagréable d'être aplati. Je ne sais vraiment pas comment tu fais. Heureusement, me voilà tiré d'affaire. Ah mais c'est alors, le rocher n'est plus là, et il ne reste que des confettis. Comment t'as réussi à faire ça? T'as mis la main sur un nouveau modèle de marteau dynamiteur? Un coup bien placé et hop, plus de rocher, boum! Oh, une seconde. Et Bobby, il se cache ou quoi? Je ne le vois nulle part. Mario? Ne dis pas qu'il a cette détonation et le rocher qui s'est volatilisé. Non, non! C'est impossible! Je pense qu'il a dû utiliser une détonation pour exploser un rocher qui le tuait aussi. Parce que dans... Je connais pas les Mario ni dans Paper Mario, mais il y a Bombinette, un compagnon d'animé de Mario, dans un jeu, bah, il passe son temps à exploser quand même. Donc je ne comprends pas trop. Hein. Il passe son temps à H24 à exploser, lui il explose, il meurt. Je sais pas. J'ai dit, mais non, il va pas mourir, il explose, il meurt vraiment. Ben c'est alors, encore un twist. C'est vraiment rare d'entendre de monde vient de visiter notre trou. D'abord, il y a eu cette drôle d'abeille qui avait l'air d'avoir le bourdon, et maintenant toi. On pensait vraiment pas qu'il allait mourir, je me demande. Ah, il est vraiment mort? Non, pas Bob, non! Non, mais j'aimais bien Bob en plus. J'étais drôle. Où est-ce qu'on est là? Oh, d'argent! Tirez! Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu vois pas que je suis en train de creuser? Ils ont caché l'argent dans le mur. Il y a bien du monde. Au travail, comme Yuga, notre devise reste le même, aller toujours plus loin, descendre toujours plus loin. Il est top. Il est top de partout. Et tu viens de la surface, tu as pas de conseil pour faire alors. Il a décidé de tenter sa chance là-haut. Son rêve a été de vendre des trucs sur le bord de la route, ou quelque chose comme ça. Si je vois, dis-lui que j'espère qu'il n'oublie pas de mettre de la crème solaire tous les jours. Bon, je veux pas tous leur parler, je veux juste visiter. Tu fais quoi, toi? Tu vois ça pourquoi je danse? La vraie question est plutôt, qu'est-ce que toi tu attends pour danser avec moi? Moi, je suis un peu dégoûté que Bob soit plus là. Ah, oui, le feu brûle, hein. Je suis deg, là. Je pensais pas qu'il allait vraiment mourir. Enfin, peut-être pas mort non plus. Hein. Parce que je trouve ça bizarre, quand même. Il faut avancer pour avoir le carnet. Comme on dit, il y a toujours de l'espoir. Vas-y, là. C'est juste incroyable. J'ai failli tomber, il veut pas ouvrir. Et un mini trésor, la boîte dans la boîte. C'est toujours drôle la boîte dans la boîte. Il y a un coffre là. Bon maintenant on sait que faut pousser. Hein. Et deuxième mini trésor. Et ce sera un énorme rocher.
Ah, un marchand. Se dit vitesse et qualité, accessoires. Qui veut nos beaux accessoires? Nous avons le meilleur équipement de tout le secteur. Minute argent augmente beaucoup le temps parti pour disposer des ennemis en combat. Bon, vas-y, j'achète. J'ai plus un. Minuteur plus argent. Accessoires. Minuteur plus argent. Augmente beaucoup le temps imparti pour disposer les ennemis au combat. Attends, moi je dis j'achète et après. Je lis. Repère trésor. Émet un signal s'il y a un mini trésor ou un coffre à proximité. Oui, merci. Est-ce que j'ai équipé mes armes? Oui, j'ai équipé mes armes. Bon, j'ai pas besoin du manteau et des bottes. Hein. J'ai déjà des bottes. De rechange. Je me suis caché là-dedans pour piquer un petit rue, mais c'était il y a 3 ans. Merci de m'avoir sorti de là, plutôt. Pour la peine, voilà un petit quelque chose. D'argent! Ça fait 3 ans qu'il est dans ce rocher. Ah, elle est là en fait. Je croyais que... Ok. On va s'en voir à côté d'elle. Ah, il va me faire pleurer à force. Bobby s'est sacrifié pour moi. Et maintenant, il a disparu. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Je suis dévasté. Je ne vais pas pouvoir continuer. Il y a une petite quelques secondes de silence et hop, Mario y part. Il est parti en fumée. Putain, faut que je réponde. J'ai trop de peine pour aller plus loin. Bon, on va voir. Ils sont passés où là? Ils ont tous disparu. Pose pas de questions. Je veux bien te dire oui, mais je sais pas du tout. J'ai pas regardé. Je joue à combien dites-vous? Mais genre à 4. C'est un jeu en coop. Il y a plus personne. Hein. Ils sont partis où d'un coup? J'ai vu que son rocher donne de l'argent. Ouais, lui il a disparu. Ils ont tous disparu. Attends, on s'entend là. Qu'est-ce qu'ils font? On a touché le goulot, on dirait. Qu'un énorme rocher a explosé là-dehors. On rassemble tous les gravats qui nous tombent sur la griffe. Des fois qu'on y trouvait ce que Bowser nous a demandé de chercher. Qu'est-ce qu'il y a bien pour faire exploser un si gros rocher? En tout cas, si on la joue fine, on n'aura pas besoin de creuser pendant des semaines. Attends. Super M! Ah oui, voilà, c'est bien ce que j'ai pensé. Je veux dire ouais quand même. J'en sais rien. J'ai pas joué au jeu. Je suis bien, c'est que je pensais quoi. Super M. Voilà, il est toujours là. Écoute. Non. C'est son esprit. J'ai cru qu'il était encore en vie, vas-y. J'ai dégoûté encore plus là. Mademoiselle Olivia, elle a l'air toute froissée pour ce qui s'est passé. Mais si elle ne se ressaisit pas, mon feu d'artifice final va vite se transformer en pétard mouillé.
Mais toi, tu es super M. S'il y a bien quelqu'un au monde qui sait comment rebondir, c'est toi. Réfléchissons. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider à retrouver le moral? Ah oui, j'ai entendu dire que le rire serait le remède à tout. Peut-être que si tu arrives à la faire rire. Bon, je suis flatté que tu viennes à nouveau me donner conseils, Super M. Mais tu as déjà tout ce qu'il faut pour rendre le cerf mes élevés. Allez, à toi de jouer. Moi, je croyais qu'il... J'ai tété que après. Mais c'est quoi cette aura bleue? Ah, c'est ça. Je suis en mode... Ah, mais il est vivant. Non. Ah. Je sais très bien qu'est-ce qu'il va faire. Oh, s'il te plaît, Mario. N'essaie pas de me forcer à rire. Bon, d'accord, c'est drôle. Oh, j'ai le cœur un peu plus léger maintenant. Merci beaucoup, Mario. Je ne peux pas rester là à me remorfondre. Ce n'est pas ce que Bobby aurait voulu. Nous devons continuer. Mon frère doit être arrêté. Merci encore pour ton aide, Mario. Et merci d'avance pour toutes celles que tu continues à m'apporter. Sur ce, c'est parti. Le sang-potin jaune ne va pas se faire tout seul, après tout. Mais d'accord, retire ce bidule de ta tête, s'il te plaît. J'ai du mal à garder mon sien quand je te vois avec ça. C'est bon, elle a retrouvé le moral. C'est vrai que c'est drôle, quoi. Qui tue ce truc. Ce gros masque. Bien, remettons-nous en route. Traverse sur le tunnel pour rejoindre le serpentin. Parfois on se sent mieux après avoir pris beaucoup. Pas vrai? Hein? L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que Bobby se tenait encore à nos côtés. Oh, je sais bien que je me fais des idées. Je ne vis plus que dans nos souvenirs désormais. Mais ne t'en fais pas, Bobby. On ne t'oubliera jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Allons-y! J'ai cru qu'il allait répondre. C'est bombant, ça! Même pas. J'ai plus jamais là. Ah oui, bah, j'aurais jamais pu avancer sur elle. Hein. Allez, les bras multipliés. Bon bah. Hop, on ouvre la porte. On est plus que deux maintenant. J'aimais bien Bob, il est trop bien. En même temps, ce jeu est un peu glauque. Au final, ils ont. Et maintenant, ils tuent les amis. C'est. Ils se sacrifient pour nous. Piu, merci. Heureusement pour moi que tu étais dans le coin. Mais heureusement pour toi aussi. Tu vas pouvoir profiter d'une offre imbattable de Todd Motor SA. Super bonne bâtille, 2150 Wushi, vitesse max, champignon doré. Admire donc les courbes gracieuses de cette boîte mobile, nouvelle génération. Laisse-moi te dire que le désert n'en fait son affaire. Hein. Et si ça ne suffit pas à te découvrir, attends de décocher son bouton turbo. Le moins que je puisse faire, c'est de te laisser faire quelques tours et gratuitement, attrape. Il suffit de la batte boîte mobile. Il dit plate. Dans le dessert, fait venir à vous votre fidèle bot mobile. Il a cassé les dents pour faire surgir la bot mobile à tes côtés. Et oui, comme si c'était Botman. Comme si tu étais Botman.
Par contre, elles sont pas. Je dis ça, c'est vrai, la sœur ne couvre pas. Ne couvre que cette région. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Un contrat? Un bonnet du faim? Allez, file, gros fou. Qu'est-ce que t'as fait là, eux? J'ai hâte de devoir rouler avec. Je cite, et surtout décrocher le turbo avec Zider. D'ailleurs, je suis sûr qu'avec de la vitesse, tu pourras casser des trucs. Et même m'aplatir les oreilles guerriers. Fais juste attention à ne pas rayer la crucie, s'il vous plaît. Ouais, on a une carte! On pourrait casser les rochers. Non, faut que je descende. Bon, y'a rien dedans. Ta-da-da-da-da-da. Il faut accélérer pour l'écraser. Mais j'ai envie de me battre aussi. Là! Là, nous vous avez mis un gomba dans une botte. Attendez les conneries. Oui, c'est ça. Disposition parfaite. Bonus d'attaque. Il me faut les bottes de fer brillantes. Ils sont animés à pic. Un gros bot dans une botte. C'est quoi ça? Gompa chaussure. Il est caché en plus. Je sais pas si ce film mais vas-y. Hein. Et tout de Mario. Super. Eh, c'est tous éliminés. Je sais pas ce que ça veut dire un Goomba dans la chaussure, mais bon, voilà. Botte chatouillante. Peut-être qu'il donne un objet en fait. J'ai eu de la chance. On peut les. Allez, vas-y. Hein? Laisse-moi te dire un truc. Être changé en pelle, c'est vraiment pas de la tarte. J'ai pas assez d'accélération. Mais il est trop bien la musique. Je dis tout le temps ça, mais il est trop bien encore. 3 dépassements, c'est parti. J'ai cru que je l'avais. Me suis foiré. C'était pas ça. Pas grave, on a les bottes de fer brillantes. Alors bah j'en ai plus. Je me suis fait avoir. Oula. Ah ouf, 28. Redisposer les émis. Bon là c'est facile. Bon vu que j'ai déjà pris des dégâts. Ah. Il faut utiliser le marteau comme lui en fait. Donc j'étais pas bon de base en fait. Ça par contre je le savais pas. Marteau. En fait, je ne pas aller dessus, donc j'aurais dû essayer de faire un digne marteau. Bon, la prochaine, elle sera. Il donne des bottes, c'est trop bien ça. Non, je veux pas te parler. C'est bon, on a les bottes de fer chatoyantes. Elles font encore plus de dégâts. Elles ne protègent pas quand ils piquent. C'est bon, on a la botte mobile maintenant. Attends, c'est ça le désert? Tout sombre et froid comme ça? Oh là là, avec tout ce sable, je vais avoir des grains plein les plis, moi. Trop bien, j'ai un carte. En tout cas, j'ai un truc pour me dépasser. Grand désir de Calémiri. Qu'est-ce que c'est immense! En tout cas, c'est vraiment impressionnant.
Donc un désert, c'est juste un endroit gigantesque rempli de sable. Mais quand même, il fait tellement sombre. Où est le soleil? Il est vexé, il boude. Je crois que c'est ça, oui. Ouh, il y a un truc qui est devant aussi. Oh non, c'est terrible, voilà. Pourquoi il fait si sombre? On dirait un anti-soleil. C'est quoi le terme scientifique pour ça déjà? Un trou noir. Elle va trouver. Un trou noir. C'est quand même vraiment étrange que ce désert ait un gros trou dans le ciel à la place du soleil. Qui est-ce qui l'a découpé et comment ils se sont pris pour réussir ce coup? Le bon côté de la chose, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. On fait quoi? On se concentre d'abord sur le serpentin et on s'occupera du soleil plus tard? Dis donc blimblong. Rendez-vous au labo d'eau. Détectonologie de la Prépicotin pour découvrir une nouvelle invention, le costume de furtivité. Est-ce qu'il y a un truc en plus avec les bottes quand je parle à l'auto où il veut dans la Batmobile? Le Batmobile. Allez, surtout pour écraser les ennemis là. Non, plus que ça. Hein. Ouais, non, mais en fait, il me l'offre. C'est juste pas clair en fait. Allez, c'est parti! Il y a une tombe qui saute. Allez, on est parti. Ouais, en plus, c'est grand aussi, donc ça tombe bien en fait. Faut tirer. Hey! Faut pas piquer une tête dans le sable. Ah, merci! Bienvenue dans le grand désert de Calimérie. Là où il fait une chaleur insupportable tout au long de l'année. En fait, ce qu'on veut dire, il fait pas très chaud. Enfin, sauf là. Je comprends pas ce qui se passe. Les plombs ont sauté, c'est ça? C'est pour ça qu'il fait aussi tout noir? Les plombs ont sauté. Qui c'est qui a éteint la lumière? Vous avez fait peut-être fusible, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux voir quelque chose? Je vais y aller. Mon réseau minime. Il y a un trésor. J'ai résolu. Et c'est quoi ça? Ah, je suis plus ma botte. Un micro! Une estrade? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle m'appelle. Vas-y, chante! Vous avez vu ça? Vous croyez que je pourrais? Non, tout de même, à moins que. Bon, fais-moi de la place, je n'y tiens plus. Test 1, test 1, 2, 1, 2. Mi, 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 la, 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 la. Voilà, je suis prête. Qu'est-ce que je vous chante? L'hymne des sympas ou la balade dans. Attends, vas-y. Ah, d'accord, c'est juste pour chanter des trucs là. C'est juste pour chanter un truc. Sans le décor. Ok. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je vous chante. C'est quoi la balade en dark déjà? Vas-y, quitte à de là, on y aller. Ah oui, d'accord, c'était ça. C'est quand on était sur le bateau, avec le Toad. T'as juste de la musique qui te passe. En plus, c'est long. Mec applaudit. Bravo!
Non, c'est bon, ça ira. Mais par contre, où est ma bonne mobile? Il est dans mes poches, en fait. Voilà. Je me disais, il est passé où? Il y a. J'ai l'impression que là-bas, c'est la suite, hein. On peut aller voir. Hein. Tant qu'on quitte pas la zone, c'est bon. Je me demande à quoi sert l'hôtel qui se trouve un peu plus loin. Merci. Moi aussi, je me demande pour ça que j'ai envie d'y aller, mais tout sauf vraiment. Par contre, ça, c'est quoi? Ah oui, je me demande aussi ce que c'est ce que c'est le lieu en sol. En tout cas, taper dessus n'a pas l'air de faire grand chose. J'ai mis qu'un secoue aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de plateforme? Ça, c'est sûrement pour faire venir le soleil. Il y a un soleil dessus. Et c'est un dessin de soleil, ça? Par contre, faut aussi sauvegarder, hein. Une conséquence terrible pourrait se passer. Ah oui, laisse-moi voir ça. Si je fais pas erreur, ça dit... Hein? Il regarde d'un désolé, je crois que je suis incapable de chiffrer ce texte. C'est vraiment dommage parce que j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'il pouvait bien raconter. Elle a dit n'importe quoi. Wow, c'est le plus gros bol de céréales que j'ai jamais vu. Non, mais c'est pas des céréales. On dirait qu'on ne plaisante pas avec le petit jeté dans ce désert. Ah non, c'est juste du sable. Bah oui, c'est pas des bols de céréales direct, quoi. Elle pense qu'à manger. Tu veux qu'on essaie de mettre un truc dedans? Vas-y. Je ne crois pas que ça va fonctionner. Tu voudrais pas autre chose? Un bol de céréales, il me sort. Mais non, c'est pas un bol de céréales. On sait plus tard. Par contre, il y a le raccourci ici. Ça mène direct au désert. Attends, il y a un trou là. Un bol de céréales. Même toujours plus, hein. Je suis honte, c'est du sable. L'autre, il me censait un bol de céréales. Trop drôle. Il paraît que tu as une super pote mobile. C'est le dernier modèle. C'est lui où tu peux mettre ton robot en appuyant sur ZR. Ça devrait vraiment le top du top. Attends, je vais le combattre. Bon bah... Ah bah, combat par vague. C'est parti. Où disposez-vous-y? Ah, j'ai pas équipé mon... Ouais, ça marche aussi, hein. Disposition ici, bonus d'attaque. Bon, je suppose si si j'attaque les mecs au fond, je vais me faire mal aux pieds, hein, donc des bottes de fer. Ok, hein, ils ont des grosses piques sur leur tête, là. On va éviter, hein. Bon, déjà, je vais en occuper deux, là. Vas-y, un marteau chouchou. Excellent. On a gagné. Alors, faut juste les éliminer si ils reviennent. En un tour. Si je fais ça, ça fait ça. Donc il faut faire ça. Oh, incroyable. Les bottes de fer. C'est parti. Tac.
Voilà, ça c'est super facile à sauter. Je sais pas si j'ai one shot, mais vas-y, allez. Faut juste avoir du timing. Excellent! Au revoir! Oh, il donne beaucoup d'argent. 1657. Incroyable. Non, le toit redescend. Ah ah! Ici! On s'est pas mis en voiture? Tu peux me laisser me déplacer? Ils ont même dit ça là. On s'est pas mis en voiture? Il y a un taux d'assouvir intérieur, il est coincé. Est-ce qu'on va voir la nouvelle technologie? Il n'y a plus Bob avec nous là. Je suis dégoûté. Ah ouf! Merci beaucoup Mario! J'avais peur de rester. A tout jamais, du coup c'est là-dedans. Permets-moi de te souhaiter la bienvenue au labo de technologie annexe, grand désir de Calamiri. Alors Mario, comme dis-tu? Oui. Bon, c'est bon, on connaît. On veut avoir le nouveau gadget. Monsieur, vous avez quelque chose pour moi? C'est sensationnel! Cette fois, nous nous sommes surpassés! Ah, Mario, si tu es d'accord, j'aurais une petite expérience à te proposer. Au lieu de juste détecter des choses invisibles, aimerais-tu disposer d'un appareil que... qui te rend indétectable? Eh bien, tu en as rêvé, on l'a fait! Admire tant qu'il est encore visible notre fabuleux costume de furtivité. Équipé de ce nouveau miracle de la technologie, tu pourras te faufiler sans te faire repérer par les nuits. Descends vite par ce tuyau que je te présente comme Fox. Comment fonctionne notre costume de furtivité? Il m'a pas montré le costume, hein. Prêt à tester notre costume de furtivité? Il m'a dit, c'est normal que tu le vois pas. Il est invisible! Oh, incroyable! C'est pour ça! Ok, Mario, commençons par un petit essayage du costume de furtivité. On va voir si tout va bien. Il est où? Ah, Mario, c'est vrai qu'il avait. Enfin, visiblement, oui. Bon, puisqu'on ne voit plus rien, le costume t'a rendu, pour ainsi dire, rendu transparent. Tu vas à présent pouvoir te faufiler, sans te faire détecter par l'ennemi, pour cheminer droit vers la victoire. Oui. Mais fais attention à ne pas le heurter, au foulier ennemi, si tu arrives évidemment ta position. Par ailleurs, cet ennemi doué de sens plus affûté ne se laisseront pas berner par cette technologie. Comme le détecteur de le costume requiert une force forte consommation d'électricité. Surveille ta batterie. On n'aura pas besoin, on va tout combattre. Allez, trêve de bardardage, passons à la phase du test. Pratique de ce costume. Et tu veux que je fasse quoi? Ah oui, d'accord, il y a un point sans me faire détecter. Attends le drapeau avant que la batterie ne s'épuise, sans te faire attraper par aucun des oreilles guerriers. Il y a quand même des oreilles guerriers chez lui, hein, c'est pas ouf, hein. Ah. J'ai raté. Ah, le conseil de fierté te rend invisible pour les oreilles guerriers, mais tu trahis ta position si tu y touches. Je pensais que je pouvais passer au-dessus. Ah mais non, tu vas pas faire sortir à chaque fois, hein. Et aussi, vous pouvez passer de la phase de terrain. Ah, mais c'est bon, il me donne quand même, ça va. Bourrant. Costume de furtivité. Bourrant difficile à réparer aux yeux des ennemis. Ah, faut vraiment que je réussisse. Vas-y, on va réussir. Attends, il me fait sortir directement si tu peux envie de le faire, mais je vais le faire. Non! C'est bon! Laisse-moi faire le test. Mais comment on fait pour passer ces eaux qui bougent pas? Au moins, il n'y aura plus de tuyau qui est là, au moins. Ah, mais en fait, il bouge.
Je suis trop pressé. Hey, bouge! Faut juste attendre en fait. Les Goombas. Tant que qui s'écarte à chaque fois. Et on y va. Ok. On est arrivé. Là. Ils vont tous aller sur la gauche, moi. C'est pas important. Ah non, c'est bon, ils avancent vite. Allez, on fait comme eux. Une, deux. Ah. Ils m'ont feinté. Bonjour. Ils font des feintes. Hop, mourrait pas. Hop, faut que j'entre dedans. C'est bon. Ça suffit maintenant. Tiens, c'est tout des statistiques. Bravo. Bon travail, Mario. Je vais poursuivre mes recherches. Il y a encore des aspects du monde que la technologie peut changer. Ah non, ça change rien en fait. Quand on regarde, ça prend que quelques minutes. On y retourne. On se fait faxer. Au désert. Là, on va pouvoir passer à la suite et capturer le Toad. Viens là, le Toad, je t'ai pas oublié. Je vais t'avoir. Je suis. Allez, viens. Descends. Viens ici. Ah bah, faut lui juste sauter dessus. Je ne savais plus quoi faire, comme. Quoi, même les arts ont parfois du mal à garder leur sang-froid. Il y a encore des trucs à voir. Bim. Ah, mais il y a un pauvre Goomba qui est mort. J'ai plus de... De confetti. Faut avoir plus de confetti. Il y a vraiment rien en fait. Ils servent de plus, il y a un truc. T'en as pas marre de marcher? Laisse-moi ramasser des trucs. Oh oh. Ah, on va se battre un peu. Combat par vague. C'est trop marrant. Bon, un seul déplacement. Voilà. Quoi. Disposition ici, bonus d'attaque. Et il faut les bottes de fer brillantes. Et au revoir. Excellent. Marteau chouchou. Parce que c'est chaud. Bouillant. Excellent. Dernière vague. Des photos, mais il y a des bouts. C'est dégueulasse, ils se rendent invisibles. La tête qui tire. Oh, il a réussi. Marteau chouchou. Oh, la tête. La tête qui tire les bouts. Ah, ils sont pas contents là. Mais alors, qu'est-ce que vous avez? Tiens. J'ai plus de marteau chouchou. Ça va être chaud. La suite de l'aventure, c'est terrible. Alors, il me faut un marteau glagla. Bon, il fera un peu plus froid, désolé. Hein. Pendant que j'utilise un peu mon marteau qui sert à lancer. Parce qu'au final, oui, tu peux utiliser ce marteau en fait.
Il y a une tour ici. Mais elle est gigantesque, cette tour. Tu veux qu'on aille voir à quoi elle ressemble à l'intérieur? Non, regarde le sommet de la tour. On dirait un toad, tu ne trouves pas? Ça doit te faire bizarre d'en voir un par... voir un par en dessous. Moi, ça va, j'ai vite pris l'habitude. Ok. On se regarde. Piou! Ça en fait des marches. Tu vois qu'on est arrivé au niveau du visage? Vas-y! Lis! Ah, encore un texte mystérieux! Tu veux que j'essaie de traduire celui-là? Ou est-ce que ça ira? On trouve beaucoup de ces textes, dis donc. Tu veux que j'essaye? Je me demande si on me dit que le rebord de ces petits tunnels me demande qu'à d'être décoré. Tu n'aurais pas quelque chose à placer dessus par tout hasard? Non. Faut qu'on continue. Je n'ai absolument rien. On descend. Tu veux que si c'est... Je dis à moi de... Allez, vas-y, traduis. Peut-être elle dirait quelque chose de drôle, pas du tout. Faut improviser. Bon bah, on va aller suivre le rebond. Après avoir rebouché ce trou. Encore? Si, si, qui se termine. Oh, on occupe pas les objets. L'argent. Qu'est-ce que c'est? Les bottes de fer chatouillantes. On en demande pas mal, hein. C'est quand même pas bien ça. Y'a un toad là. Tu ne penses pas qu'on devrait d'abord suivre le serpentin? Oh là là. Il est vraiment pas fun. On y est! Voilà l'extrémité du serpentin! Tu crois qu'il n'y a pas un problème? Tu sais, ce n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici. D'abord le serpentin rouge, puis le bleu. On a continué notre dos de moments difficiles, il y a même eu quelques moments tristes. Mais voilà qu'on trouve le serpentin jaune sans problème. Je vois qu'on tient le bon bout. Attends, où est l'extrémité du serpentin? Elle n'est pas enfuie dans le sable quand même. Bah si. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même pas devoir creuser. Avec quand on ferait ça? Bon, attends, il y a quelque chose d'écrit au pied de la plateforme. Peut-être des instructions pour creuser? Oh mais oui! Mario, encore des inscriptions du genre que je ne sais pas déchiffrer. Alors. Que je commençais tout juste à reprendre l'espoir, me voilà dans le noir le plus complet. Si seulement je pouvais avoir une toute petite lumière, de rien du tout, pour m'aider à te retrouver la voie. Ouah, je crois que j'ai même eu 3 rayons là, peut-être même 4. Des rayons pareils ne peuvent provenir que d'un endroit plein de gens radieux, pas vrai? Avec de la chance, on tombera peut-être même sur quelqu'un capable de détruire ses écrits. Hey, faut pas rester trop longtemps avec nous parce qu'apparemment les gens meurent. Hein. On a déjà une victime. Donc et il peut venir avec nous mais après il repart chez lui. Hein. Et on va pas dans la même direction, je sais. On visite. Vous avez quoi vous là? Un problème? Combat par vague. Encore, c'est trop bien ça. Combat par vague à l'infini. Redispose les ennemis. Non, c'est comme ça. Je vais mettre mon monde d'argent pour avoir plus de temps. Je sais pas si je les tue avec les fleurs de feu. On va faire un marteau plus long. C'est parti. Ça fait mal, hein.
Oh, ils sont pas morts. Est-ce qu'ils manquent de PV? Bon, encore. Bah, de toute façon, ils mourront pas, donc marteau pilon sur eux alors. Là, j'étais pénible parce que j'ai foiré aussi. Oula! Ah non, mais vous êtes chiant là. J'ai un problème parce qu'ils vont pas mourir en fait. Bon, il y a un tour en plus hein. Faut mettre les 4 en même temps donc. On va les affecter hein. Ouais, ils ont aucun point de vie en fait. Nope, ils reviennent. Si je résous pas le... si j'arrive pas à le résoudre à chaque fois, ils vont revenir. Comment je pourrais faire si... Ouais mais non, si je fais ça, ça sert à rien. Là, je suis vraiment bloqué là. Ils sont en train de nous mettre en déroute là. Sinon on peut appeler les supporters après. Ils vont aider. Ouch. Dans une solution. Là, je peux le faire ça. Il devait avoir une disposition en coulissant, mais je l'ai pas trouvé. Dernière vague. Ah oui, c'est pas fini encore. Ah, c'est bon. On va éviter d'éviter de soirer ses attaques, hein. Quand il les a fait marcher en ligne droite. Voilà. Allez, je crois qu'il y a un peu de retard. Ouais, on reste sur les bouts de fer brillantes, hein. On va éviter les accidents. Allez, on va réussir l'excellent. Non, j'y fais bien. J'ai raté. Ah, j'ai pris les attaques. C'est bon. Je suis dit. C'est chiant. Ah bah. Tant mieux, hein. Oui, on peut reboucher le trou. Qu'est-ce qu'on a alors? Allez, ça dégage, hein. Je suis sûr qu'il y a un top qui est caché dans un cactus. Tiens, le cactus. Voilà, écrasons-le.
Vas-y Mario, et bienvenue dans la région ouest du désert de Kalemiri. Dès que ça, tu devrais aller voir la tour géante qui surplombe la région de plus près, elle vaut beaucoup d'œil. Je pense que je vais surtout aller dans la ville, hein, parce qu'en fait, je peux rien faire ici. Non mais oh! C'est pas là la région qu'on pourra faire quelque chose, on va aller dans la ville. Ah, ma fille au-dessus, d'accord. On les sauve en les écrasant les taudes. Oh merci, j'ai toujours voulu voir avoir un peu plus de piquant dans ma vie, mais pas comme ça. Ah, il y avait quelqu'un sur ma route. C'est qu'elle est nulle hein. Oh merci Mario, c'est pas franchement folichon la vie d'un que tu solitaire. Tu veux des infos utiles pour t'en remercier? Par exemple, sais-tu que tu peux descendre ta botte mobile à tout moment et la suivre quand tu veux pour qu'elle te rejoigne? Voilà, c'était bien, hein? En fait, c'est tout ce que j'ai. A plus! Ah, j'ai déjà tout sauvé. Non, il y a d'autres taux dans cette zone-là. Allons voir la ville. Oh! Champibourg! Regarde ça, c'est une cité, elle brille de mille feux. Bonjour. Les gens du désert, ils arrivent au client de l'hôtel. Et là? Désolé, cette section de l'hôtel est réservée au client de l'hôtel. Oh. Zone piétonne, parking gratuit pour la botte mobile. Ah bah, ça tombe bien, j'en ai une. Bienvenue à Shifu, l'oasis de Silis, bâtisse pour les schnifs, pour les snifits, snif. On vous a peut-être dit qu'elle avait un autre nom avant, mais c'est que des bobards, tout ça. Snifbourg? Bizarre comme nom, mais l'endroit a l'air très animé en tout cas. On aura d'autant plus de chances de débusquer quelqu'un qui sache lire les inscriptions mystérieuses. Regardez ici. Alors, on bouche les trous là. Stand des renseignements. C'est même pas un magasin. C'est quoi ça? Un hôtel? Fais comme si j'étais pas là. Parce que moi j'ai fait déjà comme si toi t'étais pas là. Ok. Il n'y a rien du tout ici. Il n'y avait personne ici. Du coup, je me suis installé. Et du coup, je paye même pas le loyer. Ok. Beaucoup de morts partout là. Il n'y a rien du tout en fait. Ok. Mais vraiment rien. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Pas de problème. Je suis sûr que je peux voler. J'ai juste besoin de toute petite impulsion de rien du tout. Vas-y. Alors? C'est pas comme ça que je vais décoller du sol. Plus fort, ok? Comment on monte sur le bâtiment? Je sais pas voler moi. Oula. Oh, il y a carrément ça de caché. Incroyable. Attends, ici, il y a un truc là, non? Si, il y a un truc. Alors, bah, qu'est-ce que tu fais là, Todd? C'était vraiment une cachette en or! Des objets gratuits! À moi! Un champignon brillant! Une fleur de feu brillante, lance de puissantes boules de feu sur une rangée d'ennemis. Un marteau chatouillant. Et la fleur de glace, lance des boules de glace ordinaires
C'est une rangée d'ennemis. Incroyable. Oh, t'as des accessoires, toi. Solidité, efficacité, qualité. J'ai des accessoires à vendre. Et ils sont très bien. J'ai rien à dire de plus pour vanter ma marchandise. C'est tous la même chose. Oh, encore des trucs à acheter. C'est parti. Oui, c'est bon pour moi. Accessoires, garde plus argent. Réduit beaucoup la quantité de dégâts subis en combat. Merci. Le cœur. Cœur plus argent. On manque beaucoup les PV de Mario au combat. Le repère bloc. Repère bloc. Émet un signal s'il y a un bloc secret à proximité. C'est-à-dire une dernière attaque en stock. Tout est plus pour l'instant. Reviens plutôt avec des pièces. Et donc, peut-être sécurité des accès avec le menu. Plus, on va faire tout de suite. J'ai déjà oublié. On passe au niveau argent. Pas un problème. J'adore observer le reflet du ciel étoilé sur l'eau. Oui, on a eu des objets gratuits. Est-ce qu'il nous utilisera? Peut-être. Oh, de l'argent. C'est ça? D'accord. Il y a des fruits! Ils sont marrants. Tu sais lire des inscriptions, toi? Vous pouvez lire ce qu'il y a écrit? Je suis sûr que c'est super important. Vas-y, lis! C'est toi qui t'as déchiré. Avant d'entrer, lisons le panneau. Champignon, boutique. Ah, c'est une boutique, ça va. Digitone, DJ Alloué. La boutique sur la droite vaut vraiment le coup d'œil. Attends, mais... pas le panneau, là? Ah, merci de m'avoir loupé. J'étais planté là depuis tellement longtemps que j'en ai réduit à faire de l'autopromotion. Je tiens la boutique d'à côté. Viens m'acheter des trucs. C'est lui qui tient la boutique. C'est le panneau qui parle, le jaune, hein? Ah, t'as, tu vois un mini trésor, toi. Bonjour, bonjour, bienvenue dans la boutique de Chambibourg. Eh, ça coûte cher tout ça, hein, j'ai plus d'argent. Mon hôtel de Chenifour, c'est 13 440 pièces, ça te convient? Bien sûr. J'ai l'argent. Mini trésor, j'ai déjà dit. Bon, bah, j'ai plus d'argent. Viens comme toi, mérite une récompense. Pas maintenant, donc tout faire remonte de tambour. Cette carte de fidélité, argent. Et je suis invisible aussi. Carte de fidélité, argent. Vous accorde 30% de remise sur les armes et objets des boutiques. Avant de faire d'autres achats, pense à cuire cette carte pour bénéficier des super remises. Continue à faire plein d'achats. J'ai équipé, hein. Oui, j'ai équipé. Non! Son argent est dans sa poche. On peut pas lui voler. Il n'y a personne. Il n'y a pas de DJ à louer là. On m'a menti. Il n'y a personne. Personne qui vient à la boutique. Ouais, il y a des caisses à casser, alors. Ouais, il y a un accès en haut. Et c'est dans la boutique. Si, si, il y a un trou par là. Pour avoir le mini trésor. C'est quoi? Ah, sac de confetti. Ok. Le bien, il passe pas là. Allez, y a quoi d'autre? J'ai vu un toad un peu étrange dans les parages. Au pif, je dirais qu'ils sont trouvés dans l'hôtel. Ok.
Il y a des toads encore qui ont besoin d'aide. Ça va? C'est pas trop difficile de maintenir cette pause pendant des heures? Bienvenue au grand hôtel de Schnifou, voyageur. Ça fait des heures qu'on t'attend et qu'on fait cette pause. Ça, on commence à avoir mal, on prend racine et on a des tantinites partout. Oh, wow, je ne sais pas ce que je t'en pense, mais moi, je dis qu'on mérite bien un peu de repos après tout ce qu'on a traversé. Ah, c'était pas par là. Attends, on n'a pas encore... Attends, comment on monte là? Mario, saute! Je peux pas y aller là! Attends, je peux pas sauter plus haut, moi. Il y a encore plein de trucs à voir. C'est quoi ça? Ah, ça c'est en cours. Ah bah super. Et ça c'est fou ça. Oh il est pas content. Si j'avais plus choisi, j'aurais préféré être une rose. Tu fais quoi? Il y en a qui disent que cet endroit s'appelle la base Champibourg. Ah oui, ça s'appelle Champibourg comme je lis en plus. L'endroit était désert quand on est arrivé ici. De toute façon, et c'est celui qui trouve qui nomme. Voilà. Ouais, il y a que les sbires de Bourzor partout. Sors de là, toi. Le mec, il est en train de nous remettre dedans à chaque fois. J'ai un coup de marteau. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Oh, un banc. Donc, quand le soleil est entravé, cet endroit est tellement lumineux qu'on dirait qu'on n'y dort jamais. Voilà. C'est tout. Il y a un truc un jour dedans. À part des confettis. Moi je peux pas monter. Je sais pas si je joue vite, mais on va aller là. Allons-y à l'hôtel. Hein. Allons-y. Trop grand ici là. Il y a de l'ambiance. Il a piqué mon siège. Je m'en fiche de savoir s'il y a un autre bolide juste à côté de celui-là. C'était mon mien. La musique est tellement bonne que j'ai l'impression de plus rien exister autour de moi. Ils se mettent à l'aise tout le monde. Ah. Vous avez les clés, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour une roquette? Ça, c'est pas des roquettes. Oh. Ouh, c'est la fête. Pas gâcher la fête. Ah oui, d'accord, c'est que cette zone qui est ambulancée, quoi. Hop, merci pour les clés. Soyez les bienvenus, voyageurs. Que nous vaut le plaisir de votre visite? Si c'est une chambre qui vous faut, nous sommes malheureusement complets. Ah bah, en fait, nous cherchons quelqu'un qui serait capable de déchirer des inscriptions mystérieuses. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet hôtel qui correspondait à cette description? Oh, vous parlez du professeur Toad. Il est sorti pour l'instant. C'est un collègue à vous, c'est ça? Je peux vous donner la clé de sa chambre si vous voulez. Je suis sûr que c'est ce qu'il aurait voulu. Oh. C'est la clé de la chambre du professeur. Mais où est-il donc? Ah, c'est vrai, il y a des inconnus qui arrivent. Ça alors, il nous prend pour les collègues du professeur. Ah bah, quelle chance, ça veut dire qu'on peut, on va pouvoir rencontrer quelqu'un qui sort des chiffres de ses écritures bizarres et qu'on va pouvoir entrer dans la chambre privée du professeur sans y avoir été invité. Allons-y. La chambre de votre ami est au bout du couloir en haut. Les escaliers, vous ne pouvez pas le rater. Je vous souhaite de chaleureux et mouvements de retrouvailles. Hé, je suis impatient de rencontrer ce mystérieux professeur. C'est qui ce diant, elle est... Ah, d'accord, je pourrais pas ouvrir les portes. On essaie quand même. Hein. Ah,
T'as peut-être besoin de reboucher le trou. Dites, c'est quoi les essais? Pas que j'espère, mais personne ne permanence. On entend tout, elle est mort à papier. Dommage, hein. Bon, on dirait que je dois y aller de toute façon ici. Mais on va quand même visiter, hein. Allez, on va pas continuer tout de suite, de toute façon je vais m'arrêter, donc on va aller faire ce couloir. C'est-à-dire ça repose un peu trop sur la renommée de Saphrex, si vous voulez mon avis. C'est dommage, parce que sa piscine vaut le coup d'œil ou celle-ci. Et piscine, c'est pas facile d'entrer, j'espère. Reboucher le trou, vite! Y'a à dire, y'a quoi à dire? C'est drôlement calme, quoi, ici. J'ai l'impression d'être tout seul à cet étage. Non, c'est fermé. On va se garder, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ben pour cet épisode. J'espère que vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine fois pour du Paper Mario Organic King. Et pour le stream, on se retrouve bien évidemment tout de suite pour du Phasmophobia avec Bitter. Et d'autres personnes sûrement. Donc je vous dis à tout de suite.